Moi, salut les amis, et m'espérer avec Jésus en forme, sous toute forme. C'est un plaisir jeudi à qui c'est jeudi 10 juin pour nous rencontrer, pour étudier le son de l'école du sabbat. Mais bien avant même que nous entrions dans l'étude là, à nous invoquer nos bons dieux. Nous bénissons, éternel notre Père et notre Dieu, merci pour tout ce qu'on fait pour nous. Vous m'arrivez, côté que nous allons étudier parole, nous demandons que vous avez une bonne intelligence pour nous comprendre et mettez en application parole sérieux. Fais grâce dans nos Jésus, nous prions. Amen. Et avant même que nous entrions dans la leçon pour aujourd'hui, et encore une fois de plus, nous voulons remercier, féliciter et encourager toujours l'effort que vous-même vous consentez chaque jour pour étudier les leçons de l'école du sabbat. Et pas oublier chaque fois que vous finissez d'étudier, partagez les leçons avec entourage et comme ça, plus de monde capable de gagner accès avec les leçons de l'école du sabbat. Ce matin, nous sommes dans la leçon 11, le sanctuaire de la nouvelle alliance. Verset à mémoriser. Et Hébreux chapitre 9, le verset 15, c'est peut-être ça. Christ là, c'est un avocat qui établit un nouveau contrat entre bon Dieu et les hommes. Comme ça, mon bon Dieu relé yo, yo ka recevoir héritage qu'il a pour tout temps. Je bon Dieu te promet là. Tout ça parce que Christ là mouri. Avec mouri, il mouri, il délivre tout le monde en bas chaîne péché, yo te fait sous premier contrat. Hébreux chapitre 9, verset 15, c'est texte ça, nous gagnons pour nous mémoriser. Dans le cadre de leçon pour semaine. Jeudi à qui c'est jeudi 10 juin. Nous allons ensemble partir leçon qui titre Un ministère céleste. Un ministère céleste. C'est un texte qui est une leçon qui centre sur texte qui c'est Hébreux chapitre 9, verset 24. On regarde ensemble. Christ n'a pas entré dans un caille monde qui est bâti pour bon Dieu sous modèle caille bon Dieu. Il est entré dans le ciel là même côté li campé kounia devant bon Dieu pour nous. Eh bien, là nous étudions texte à fond, on nous essayer prêter attention et une attention particulière avec contexte parole ça. C'est-à-dire Christ qui a exercé un ministère dans le ciel là pour nous après que lui-même il fin mourir, il ressuscité, eh bien travail qu'il t'a fait là, il pas campé là. J'ai qu'une toile là en partie leçon hier là. Eh bien Christ, eh bien continuer et bien à travail et bien pour nous pour que nous capables gagner la vie éternelle. En pile idée dans texte là, il mérite pour capable souligner. Mais nous voulons concentrer nous sur un seul point et bien fin verset qui dit donc que Christ lui paraît kounya même dans présence bon Dieu pour nous. On nous réfléchit avec sa parole ça même il veut dire. Nous même qui c'est ensemble de monde qui péché, qui perdit et qui pas capable de camper devant la présence de bon Dieu. Parce que si nous camper devant la présence de bon Dieu, eh bien, gloire à bon Dieu lui-même, il a effacé nous, il a consumé nous. Mais peu importe mauvaise action nous yo, peu importe manque de respect que nous gagnons pour la loi de Dieu, nous gagnons un monde qui est capable de paraître dans la présence de bon Dieu pour nous. Nous gagnons un représentant qui est capable d'aller côté, eh bien, papa nous qui est dans le ciel là. Eh bien, non, non, nous qui pourrons parler pour nous. Songez, quand Jésus était sous la terre, eh bien, il était manifesté un amour infini envers tout le monde. Et il était pardonné péché, il acceptait tout le monde qui voulait venir joindre, Jésus était bâillé aux possibilités pour y arriver à lui-même. Et songez, eh bien, c'est même Jésus qui était sous terre, et c'est lui-même encore qui allait dans le ciel, qui a exercé un ministère auprès de papa, et bien pour moi, maman, ça m'a avec vous, pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Ça, c'est un autre aspect encore dans la bonne nouvelle là. Non seulement Jésus lui-même n'est mouru, c'est-à-dire qu'il paye prix pour pécher nous à la croix, mais je dis à Jésus, trouvé devant bon Dieu, et bien il joue un rôle médiateur entre ciel là avec terre, entre l'homme avec bon Dieu. C'est tout à fait logique en tant que Dieu et homme. Yon être qui sans péché, c'est seul Jésus qui cap comblé vide qui gagne en l'humanité avec l'homme qui causé par le péché. Yon vide qui causé par le péché, c'est seulement Jésus eh bien, qui en mesure pour que capable eh bien combler vide ça. Eh bien point crucial pour que nous capable kembe dans tout ça qu'en ce Dieu là, c'est que gagne un nom. Gagne un être humain eh bien qui t'est identifié avec toute épreuve nous yo parce que Jésus sous terre il était subi tout ça, je dis à nous-mêmes nous avons subi. Il était connaît toute épreuve, toute douleur, toute tentation et c'est même Jésus ça eh bien qui a le représenté nous devant bon Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5 et 6,
texte a déclaré pour dire qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre l'homme avec bon Dieu, li pa l'autre que Jésus-Christ qui était baï ville en rançon pour que moi ensemble avec aujourd'hui nous t'es capable gagner la vie éternelle. Et d'après verset ça yo qui déroule nous Jésus lui-même li jouer et comment rôle ça yo préfiguré dans service sanctuaire terrestre là. Et bien grande vérité qui gagne rapport avec nouvelle alliance là c'est que grâce avec Jésus pécheurs qui repentit yo et bien yo capable et bien yo gagne un représentant devant bon Dieu et bien qui dans ciel là. Et bien nous-mêmes qui t'a de mourir à cause de péché nous yo qui pas gagne grâce mérite et bien Jésus ba nous mérite, c'est-à-dire Jésus ba nous la justice parfaite. Justice, seule justice qui permet que nous camper dans la présence de bon Dieu. Et grâce à la justice parfaite, ça qui nous gêne à travers la souffrance Jésus, et bien Jésus l'a présenté pour nous devant Papa, qui cause nous-mêmes avec nous aujourd'hui. Lorsque nous prions, nous sommes capables de jouer pardon pour péché nous. Parce que grâce à le sacrifice que Jésus fait pour nous à la croix, et bien nous gagnons, bon Dieu ba nous capacité pour que nous capables dominer et bien sous péché yo. Et sans sacrifice Jésus ya, sans ça que Jésus lui-même li fait pour nous, et bien nous pas d'avoir aucun espoir ni jodi ya ni dans jugement bon Dieu. C'est-à-dire nous ouais Jésus et bien après la mort sur la croix, il continue à exercer un ministère envers nous pour que nous capables gagner la vie éternelle. C'est-à-dire nous ouais ministère Jésus, il est pas seulement sous terre. Mais ministère Jésus, il est allé encore jusqu'au ciel. Eh bien, priez et méditez sur l'idée ça que yon être humain qui connaît, qui te connaît péché, même gens ensemble avec nous, c'est lui-même, eh bien, qui devant bon Dieu dans le ciel là, qui a intercédé pour nous. Qui ça lui-même, il veut dire pour nous-même personnellement, et qui espoir et qui encouragement parole ça lui-même ni poté lorsque on connaît Jésus qui t'est souffri sous terre pour vous-même et c'est lui-même encore qui dans ciel là et bien qui a intercédé pour vous et bien qui a exercé un ministère pour que vous-même vous capable jeune pardon pour que vous-même vous capable gagner la vie éternelle. Et bien en gros c'était étude pour aujourd'hui un ministère céleste avant même que nous aller à nous prier bon Dieu. Nous fait louange pour vous bon papa parce que vous méritez ça. Merci parce que vous nourrit nous chaque jour avec parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables d'aider nous être en bonne santé et comme ça nous sommes capables de servir et servir jusque dans l'éternité. Tout le monde mérite, mais nous sommes capables de Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite une très bonne journée, bonne étude et à la prochaine.